Bonjour et bienvenue dans Inscription, où je vais être très honnête, j'ai joué un petit poil. Et comme je me suis fait défoncer en boucle, je me suis dit que c'était peut-être pas super intéressant. Oui, mais 3, ça coûte cher. Voilà, vous voyez, ça c'est moi, ça. Bon, tout coûte 2, ça m'énerve. 3 même. On va prendre le gris. On va prendre toi. Allez, hop, voilà. Donc, j'ai un poil joué. Et j'ai chopé le schlass qui est ici. Où je me suis donc dit cool, je vais pouvoir lui mettre dans l'œil. Sauf que non, le perso se l'est mis dans son œil, à lui. Vu qu'il me branche moyen. Alors, ces gars-là, maintenant, on peut augmenter les PV. Oh, ce qu'on va faire avec toi, qui va être tanky. Voilà. Et on peut rester et essayer de d'augmenter encore. Mais il y a un risque qu'il se passe, je sais pas quoi, que la carte soit détruite. J'ai essayé 2 fois, 3 fois, elle n'a pas été détruite, j'ai préféré m'arrêter là. On verra bien. Là, j'ai un petit peu après à jouer, mais c'est un run qui, je pense, part mal. Simplement parce qu'on a des cartes qui nécessitent 2 de sang, des trucs comme ça, ce qui ne m'arrange pas. Alors, le louveteau va aller là et va ensuite taper. Et on peut rien y faire vu qu'il y a une putain de souche d'arbre. Donc, il va se transformer en loup, il va me défoncer. Très bien. Est-ce qu'on fait ça? On claque un écureuil direct? Ah, peut-être. On verra. Pour l'instant, on va mettre l'hermine. Mettre un point. On peut tanker le loup 2 tours. Loup alpha, ouf. Ouais, ça sent l'écureuil, ça sent le loup, ça. Hein. Ça sent le loup direct. Et lui, le loup alpha. Créature adjacente, très bien. Donc il va avancer, il va donner un point de dégâts à ce loup. Il va tout défoncer. On va mettre la punaise. Là, parce qu'il fait pas très mal le loup alpha. Et on a tapé assez fort. Bon, très bien. On va prendre la peau. Je sais toujours pas à quoi ça sert. J'ai pas d'argent. Pourquoi je suis là? C'est nul en fait. Oh, ça te la parle! Donne, voilà, cadeau. Et j'ai pas d'argent, mais du tout. Donc, salut. Merci. Et ça me rappelle qu'à chaque run, il faut. Hein? Oula, 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 qu'est-ce que c'était que ça? Il faut faire ça. Ah, de moins en moins le bâtard. Donc là, il y avait une statuette de loup et on pouvait la mettre ici. Et ça donnait le schlass. Très bien. Ça, c'est apparu avant, ce n'était pas là. Et pourquoi c'était de couleur bizarre ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a plus de statuettes qu'avant aussi. Pas rien y faire. Oh. Ça, toujours pas. Hein. Toujours pas. Et quand le perso s'est planté l'œil, j'ai réussi à battre machin là. Et un truc qui est apparu qui m'a dit le coucou est la clé. Je présume que c'est le coucou. Ça, j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Mais bon, il y a beaucoup trop d'heures quoi. Pour faire un truc dans ce goût-là. Mais ça marche pas. Hein? Lol. Sérieux là? Attends, genre vraiment? Putain, le pif, mon gars! Il me va, je ne sais pas. Ah oui, je fais I pour ouvrir l'inventaire, moi, non? Alors, vous êtes sérieux là? Attends, mais je vais piffer un autre truc. Ça, je l'ai déjà fait. Ouais, mais je peux rien piffer d'autre. Si, ça. Pif! Hey, 7 jeux, ma pauvre Lucette. Non? Bon, il y a un truc là. Ah, d'accord. Ça y est, j'ai des alus, je vois des trucs partout. Est-ce que tu peux avancer? Merci Micheline. Ici, c'est... Je ne sais plus, je connais plus les symboles. C'est un sacrifice. Le truc qui va mourir va donner sa puissance. Le truc qui est là va donner sa puissance, son emblème à ce qui est là. Ouais, t'es un peu pourri quand même. Hein. La peau de lapin? Non, elle a qu'un PV. Donc inutile. Mais j'ai pas assez de cartes pour ça, en fait. Oh. Tiens. J'ai clairement pas assez de cartes pour ça. J'aurais pas dû. Tant pis. Je saurai pour la prochaine fois, faut faire attention aux cartes.
Donc je vais essayer d'en trouver plus. Ici, il y en aura. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, je vais y aller, quitte à perdre, mais ça, je sais pas ce que c'est, je veux savoir. D'accord. Les biches sont vénères. Oui, oui, je sais, ferme ta gueule. Trop de sang, tout ça. Trop de sang, trop de sang, trop de sang. Écoute, on va commencer par ça. Après, on va peut-être claquer l'écureuil assez rapidement. L'écureuil qu'on a en boîte, là. Ah, il va taper, oui. Ouais, à moins qu'on puisse faire ça, tu ne vas pas taper l'hermine. Tu ne vas pas taper l'écureuil, donc on peut le laisser. L'hermine va survivre. Voilà. Et là, qu'est-ce qui est à mon avantage? Toi ou toi? De quoi, Wapiti, quoi? Ouh, j'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée, on va mettre le loup. Lui, il va attaquer, il va se déplacer ici, on va le mettre là. J'ai joué, hein, j'ai joué. On va faire 1, 2, voilà. Et là, on va te mettre là, on va attendre. Tu décèdes ou pas? Tu décèdes, bon, très bien. Ouais, je joue moins comme un branque. Bon, il faudrait aller là, limite, parce qu'il faut des cartes en plus. Mais ça, je sais pas ce que c'est, on dirait une sorte de livre avec des cartes dessus. Contre moi, tes belles foulules! Ah. Ah non, c'est la marchande. Les fourrures de lapin. Ah, je peux les changer contre tout, ça? Une fourrure de lapin pourri? Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Sacrifier une carte ornée de cet emblème accorde 3 gouttes de sang au lieu d'une. Ah ouais. Ouais, c'est sympa, ouais. La pique qui tient un objet. Une carte ornée de cet emblème vous permet d'éplucher votre deck et d'ajouter n'importe quelle carte à votre main. Waouh! Ah ouais, effectivement, il y a des trucs broken. Qu'est-ce que c'est, ça? Ajoute une abeille à votre main. La carte abeille a les statistiques suivantes. 1 de puissance, 1 de santé, vol. Si elle est gratuite, ça peut faire un deck aggro intéressant. Ouais, mais elle va mourir en deux fois. C'est quand tu te fais toucher. J'ai même subi des dégâts, ouais, donc il y a mes deux cartes abeilles, ouais, laisse tomber. Ça, ça me plaît bien, mais elle va crever des ouf, elle. Et quand je la joue, et quand je la joue. Donc je la joue et après je pioche ce que je veux. Ouais, vas-y. Je suis pas sûr d'avoir les cartes qu'il me faut, mais vas-y. Je vais être sûr de comment ça marche, en fait. Et si ça marche comme je le sens, c'est très fort. La sculptrice sur bois. Ah oui, alors la sculptrice sur bois donne des totems. Et avec les totems, on peut faire des choses. C'est-à-dire que si on a la partie complète d'un totem, les cartes de style écureuil, de style serpent, de style tout ce que tu veux, vont avoir des bonus. Vont avoir un emblème gratuitement, qui permet de voler, qui permet ce genre de choses. Alors la pie, ouais, elle coûte 2 quand même. Hein. Bon, le classique écureuil-hermine, hein, quoique l'antilope va taper là la taupe. C'est-à-dire que ceci... D'accord, donc elle va se déplacer pour tanker. Oh, tu commences avec ouais, un tank chez toi qui va faire un peu de dégâts, l'air de rien. Et si je fais ça? Vu que l'hermine, elle vole maintenant. Ah non, elle encaisse le vol. Ouais, ouais. Est-ce que j'aurais pas mon écureuil et ma pie tout de suite? Ça va lire. T'as eu un coup, toi, pour voir? Ouais. Pour l'instant, je peux dealer avec, je peux encaisser. Je pose mes écureuils, je pioche des cartes. Ah ouais, si tu commences à en piocher aussi, ça va mal me mettre par contre. On va faire ça. On va prendre un écureuil. On va le mettre là. On va faire hop, parce que toi tu fais un peu trop mal, merci. Et la pie t'attendra à ton tour. Donc toi tu meurs. Le Wapiti il va évoluer en je sais pas quoi, ce qui me plaît pas. Vas-y, vas-y, parce qu'il faut plus de sang, là. De toute façon, le loup, il va te mettre 3, donc on est bien. Ah, bitch! Effectivement. Mais c'est bon, on encaisse. On encaisse, mais voilà. Alors, attends. Ouais. Le truc, c'est qu'il abandonne, là, je gagne le combat. Mais si je le déglingue,
quand il est juste à ras de ses PV et que je lui en mets plus, pour chaque point supplémentaire, il me donne une dent que je pourrais échanger contre des choses, de l'argent en gros, quoi. Ça me plaît bien. Mais là, est-ce que je peux gagner? Il va me tuer, mon loup, je vais pas le tuer. Ouais, non, laisse tomber. Je sens pas le combat. Je sens que ça va pas le faire, donc donne. Je voulais aller là parce que ça, on choisit pas une carte, on choisit le coup en emblème de sang. Vas-y, donne. Pour seulement un point de sang, avec Garen féconde. Eh ben la coquine. Ça va apparaître un lapin quand on la jouit. Quand on la joue, pardon. Joue une carte ornée de cet emblème, ajoute un lapin à votre main. La carte lapin, les statistiques suivantes. 0 de puissance, 1 de santé. Ah bah je suis heureux, dis donc, hein. Je suis heureux. Vraiment, quelle très jolie carte. Oh, donne le curé. Ça m'a l'air un peu broken, le curé en bouteille, en fait. Ah oui, maintenant il fait ça, il te fait nique-toi. T'as qu'une vie pour le boss. Voilà. Arbre, blablabla. Hey, c'est le chercheur d'or. Alors, la fumée qui... apporte plein d'os. Apporte plein d'os quand elle meurt. Elle coûte rien, elle est très intéressante, hein. On peut la jouer tout de suite. Il faut défoncer la mule. Pour défoncer la mule, il faut ça. Donc on va jouer ça. Ça, on prend le loup. L'écureuil, tu dégages. On te met en face. Tu vas pouvoir défoncer ça. Et on joue la punaise parce qu'on peut. Et elle va ralentir ce truc-là. Et là, on pourrait jouer save, mais ça va aller. Voilà. Donc, il ne mourra pas. Enfin, elle ne mourra pas. Lui, il va me faire chier. La mule, elle va tanker. Mais si je bute la mule, je vais avoir tellement de cartes que je serai bien. Le louveteau, il va être un peu chiant. Voilà, il donne des os. Là, je vais virer la punaise. Je vais virer la punaise. Non, parce que lui, il va pas attaquer. Ouais, mais ça va servir à rien. Il faut que je tue cette espèce d'enfoiré de loup. Voilà. Et j'ai pas tué la mule. Donc je suis dans la mouise. Parce qu'en plus, ça, c'est des bonnes cartes. Et qui va me les transformer. Avec un peu de chance, la mule reste sur le terrain. La mule reste sur le terrain. Alors, on va jouer ça. Oui, oui, oui. On va jouer ça. Le curieux, l'hermine. Hop, go. Bonk. Attaque. Et là, il va falloir qu'il me pète ça petit à petit, en fait. Tant qu'il le fait pas, je peux pas y faire grand-chose. Piochons ça à la pie 2. Ouais, mais on n'a pas de... Oui, je veux juste regarder mon jeu, y a pas moyen. Oh, on est quasiment à la fin, en plus, hein. Est-ce que je m'arrache un œil? Ouais, t'as 3 PV, la pie a fait de la merde. Je sacrifie pour la pie. Je joue un écureuil, je sacrifie les deux, j'ai la pie. Très bien. Et... laisse tomber. Oh. C'est pas assez. L'hermine. L'hermine, fais pas ta pute, hein. Finis-le, je te jure. Pas rien. Oh. Ah, un bébé prêt, hein. Alors. Mon homme a été ravivé. Très bien. Merci. La carte rare. Donne à moi. L'homme taupe. L'amibe. Canidé. Ongulé. Reptile. Oiseau. Insecte. L'hyperhybride et tout. Ah ouais, l'hyper-hybride, ah oui, d'accord, pardon. Ouais, mais je vois rien de... Qu'est-ce qu'il demande, lui, pour être joué? Non. Oh, putain, le mapping des touches, quoi. Je veux juste le regarder. Bon, un nouvel œil. Alors, j'ai pris celui-là, parce que, bon, bah, clairement, voilà, il a de la gueule, quoi. Et on commence à voir des choses. Le « Trouve le salut dans le coucou ». Bon, eh ben on a trouvé l'anneau. Mais je sais toujours pas à quoi il sert. Donc si on se lève, maintenant qu'on a l'œil, est-ce qu'on voit d'autres choses?
On voit des choses, effectivement. C'est des animaux, ça, c'est quoi? Donc toi, t'as la pointe bleue, très bien. Toi aussi, mais là, il y a une pointe. Là, là. Donc il faudrait mettre les trois là, j'imagine. Pas comme ça. Ah ouais, mais s'il faut essayer toutes les combinaisons, ça va me casser les couilles. Et merde. Ça se trouve, je fais ça pour rien en plus. Nice! Done! Ouh, le lourd rabougri. Prends la pellicule, vite, avant qu'il nous voie. Maintenant! Oui, bah ça va. Que fais-tu là-bas? Regarde-moi. La pellicule, la pellicule. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, oh, il se passe des choses, il se passe des choses. Bonjour, qui c'est qui a éjaculé sur le martin pêcheur? Parce que là, excusez-moi, mais... Il y en a d'autres par là? Bon, ça lui a pas plu, visiblement, qu'on fouille là-dedans. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça lui a pas plu. Ah ah! Plus d'argent. Lol. J'éprouve un plaisir fou à éteindre des bougies en trop avant un boss. Tu vas peut-être t'amuser autant que moi. Ouais. Ouais, ouais. Si c'est ta bougie du boss que j'ai éteint, ouais. Je pourrais te baiser la gueule. Trois bougies pour trois boss. Oh, ok. Ok, je comprends rien, mais je fais comme si. Ici, il n'y a plus rien à faire, là, visiblement non plus, ça. Toujours pas. Le coucou, bah le coucou, je pense que ce coup-là, on est bon. Vas-y, gros, hein. Quoi qu'il y a, attends. Y a un truc à faire par là, peut-être. Avec ça, là. Non. Bon. On va aller là, parce qu'il nous faut un sac. Sac à dos, sac à dos, sac à dos. La loutre, poutre la loutre. Le serpent à sornette qui demande ciseaux. On peut pas voir ses cartes, hein. C'est dommage ça. La loutre se planque. C'est ça. 1 et 1, c'est quand même pas ouf, on va prendre ça. On espère qu'on pourra jouer. Sacrifier une carte peut-être? J'imagine que c'est un jeu où il faut quand même avoir un petit deck, mais qui fonctionne. On va prendre... Ah, c'est quoi ça? Ah! Des os. Oh, oh non. Tu ne peux pas utiliser cela. Pourquoi? Et toi? Bien sûr que je peux. Et pour le principe. Je sais pas ce que c'est, mais je m'en fous. Casse, ça a vraiment une sale gueule. Hein. Je te remercie. Comment ça va? Ça va. Plutôt mal. Je suis coincé dans le corps d'une hermine. Dans une carte en papier. Je vois ça. Et évidemment, j'ai mis en place un moyen de tout réinitialiser. Une fois encore. Putain, il me fait penser à Solid Snake, me demande pas pourquoi. Vas-y. Notre compère, qui est je ne sais plus quoi, parce que j'ai plus le temps de lire, possède déjà la clé. Notre compère, la punaise. Bon, ça avance, il se passe des choses dans le jeu. Abeille. Vire ta main, je t'ai déjà dit. Abeille, c'est de la merde, mais il faut que ça meure. Le rat... Ouh, un seul, il est bon le loup rabougri, dis donc. Non, non, tu dégages. Nous y voilà. Eh ben, nous y voilà. Écoute, on va attendre pour l'instant. Ouais, ouais, vas-y. Donc toi, t'es mort. Toi, non. Toi, tu m'emmerdes. Ah, change de design, Hermine, hein. C'est pas moi qui trippe. Hop. Pan, pan, merci. Pour l'instant, on va jouer ça, parce que lui, il va passer par-dessus, de toute façon. Voilà, on attend que la menthe elle en mette une ou deux là. Et puis après on pourra passer à autre chose. Vas-y. 2, hyper hybride, 3, 3.
Tu peux encaisser encore un coup, toi, mais tu vas faire un. Est-ce que c'est vraiment bien? Non, mais j'ai pas vraiment envie de sacrifier le loup qui va la tuer. Toi, tu vas taper un. Vas-y, roule. C'est parti. Pour l'instant, ça marche. Écureuil. Ah, voilà. Bah, carte, on est bien, en fait, hein. Champignon. Le trappeur. Améliorer une carte. Ouais, on va plutôt faire un truc comme ça. Parce que je pense qu'on n'est pas si mal, là, en deck. Mais Folule, sans s'oublier. Vas-y, vas-y, dis-moi tout. 1, 2, 3, donc on peut en avoir d'autres que ça. Et ben, ouais, mais ça, ça fait des cartes supplémentaires. Et j'ai pas envie de piocher des fourrures, c'est un peu de la merde. En fait, casse-toi. Non, j'ai pas le choix. Allez. Bon, bah donne. Merci de ta contribution. Et bah de rien. Ça, je sais plus ce que c'est. Il y a un couteau avec une tête, je suppose qu'on tue quelque chose. On vient de rejoindre. Ouais, 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 un bonus de santé. Alors, un bonus de santé. Sur le lourd abougri, ça en ferait un truc assez violent, je pense. Ça en ferait un gros tank, l'air de rien. 3 d'attaque, c'est pas si mal, hein. Ça, c'est quoi le délire? C'est juste quand on la joue. Très bien. Toi, ouais, c'est pas mal non plus. Toi, ça ferait 2 et 4. Ça ferait une très grosse première carte. Hein. Et ça, c'est le game changer, en fait. 3 et 6, c'est fini. Va te mettre, toi. Voilà. Et je pense pas que ça soit la peine de risquer plus, en fait. C'est une bonne carte, on est bien parti. On va rester comme on est, je pense que c'est bien. C'est pas la peine de risquer de la perdre pour 2 points en plus, quoi. Alors, tu as trouvé le lourd abougri. Oui. J'ai vécu ça cette fois pour savoir qu'un plan se prépare. Dépêche-toi. Donc, si j'ai bien compris, eux, c'est pareil. Hein, la punaise, tout ça, c'est des gens qui sont coincés dans les cartes. Un plan se prépare, dépêche-toi. Ok. Eh ben, vas-y. Parfait. Par contre, là, j'ai pas de loup. Donc, ça va être plus compliqué. On peut jouer ça aussi. Hein. On peut jouer ça. Désolé, Hermine, mais là, 3, c'est quand même beaucoup mieux. Plop, plop, plop. Ah. On a assez d'os pour jouer la punaise, très bien. Donc on va le jouer. Voilà. Et ça passe. Je sais plus. Tu tues une carte, tu chopes une carte. Ça c'est une carte aussi. Dans les deux cas, je pense pas que ça m'arrange. On va aller là parce que je sais plus ce que c'est. Ah. Ouh, il a l'air vénère. Ouah, c'est stade de bâtard. Alors ça, c'est pas des cartes que j'ai fait moi. Clairement pas. C'est quoi ça? C'est le boost de dégâts à ses potes. Hein. Ouh, tu me plais toi. Ouais, non, je m'en fous, c'est ça. Si une de vos créatures meurt en combat, une carte ornée de cet emblème dans votre main la remplace. C'est-à-dire que cette carte reviendrait? Une créature meurt, une carte ornée de cet emblème, bah la seule qui est ornée de cet emblème, c'est celle-ci. La remplace. Ça, c'est double dégâts. Hein. C'est 6 de dégâts parce qu'elle attaque 2 fois. Mais 1 PV. Allez, on va prendre toi. Grosse carte. Grosse, grosse carte. Bon, bah, nous sommes pleins. Tu ne peux pas prendre plus de 3 objets et tu en as 3. Tu veux bien plutôt accepter ce cadeau de mon ami? Oh, un petit ratition! Vas-y, donne! Prévoyant race sac à dos. Ne jamais sous-estimer l'utilité d'un sac à dos bien rempli. Eh ben ok. Ça commence à faire un run un poil long. Enfin bon, ça va, mais quand même. Une fourrure de lapin formidable. Et je crois que ça ne se sacrifie pas les fourrures. Donc toi, tu vas te planquer. Toi qui es le plus dangereux. Hein. Tu ne plaisantes pas, tu ne peux pas utiliser ça. On ne peut rien en faire. Je la mets sur l'étagère pour l'instant. Ah d'accord! Un conseil, ne t'en approche pas. Très bien, c'est donc le premier truc que je vais faire. Je peux pas? Non, c'est seulement
entre les combats. Bon, c'est chiant, mais vas-y. Faut faire ça. Ça craint, mais bon. Alors que je viens de choper un sac. Enfin, de pas... What? Il y a que 2 PV, le loup? Oh merde. Ouais. Puche. Ciseaux. Ah, vas-y, claque tout, on s'en bat les couilles. Un PV aussi. Bon, tu vas le tuer au moins. Voilà. J'ai rien sacrifié, formidable. Bon, c'est compliqué. Merci. On va pouvoir encaisser. Mais là, on n'a plus rien. Mais on a la punaise. On peut rien jouer. Hein. Ah, si on peut jouer Sevo, on peut jouer Sevo qui défonce tout. On peut jouer Sevo qui défonce tout, mais les deux là, ils sont planqués. Ce qui fait qu'on ne les touchera pas. C'est pas grave. Ça fait chier de jouer une carte juste pour la sacrifier, mais casse-toi. Et toi, tu meurs. Ah oui, non, pardon. Je pensais qu'elle avait l'emblème pour... D'accord, ok, très bien, autant pour moi. C'est pas grave. Ça va réussir à tanker. Parce que du coup, l'écureuil, il tape aussi. Et ça, c'est beau. On a claqué un peu trop de ressources, mais il y a un sac, là. On va reprendre le sac. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert, elle m'intrigue beaucoup. Pourquoi la prendre? Je suis en grosse phase de test à chaque fois, hein, donc bah, désolé si c'est de la merde. Ah, qu'est-ce qui fait l'éventail? Je ne sais plus. Beaucoup de sang, beaucoup d'os. Oh, ses yeux. Encore? Oh, l'éventail, je sais vraiment plus ce que c'est. Ah, ça donne vol à toutes ces créatures. Bon, bah vas-y. C'est pas ouf les objets du sac là. Deuxième boss que j'ai vu une fois, je crois. Ah, ça a changé les stats. C'est le pêcheur. La boue te retient au sol et t'oblige à ralentir le pas. Une odeur putride te retourne l'estomac et te fait pleurer. Eh ben putain, ouais, effectivement, ça chlingue pire que quand je lâche. Ouais. C'est celle des poissons pourris accrochés aux branches alentours. Ah d'accord, chacun son délire. Un homme imposant s'approche. Va pêcher! Bonne pioche. Non! Tu es nul! Le Martin pêcheur. Garen, 0 de puissance, 1 de santé. C'est vraiment de la merde. Hein. Vraiment de la merde. Ah, ça peut être pas mal ça. C'est bien ça? Je crois pas. Très bien. Instant, 2 points. Il va pas me tuer. Hein? Oula, je sens qu'il va s'approprier ma carte ou un truc du genre. Donc il faut le bourrer méchant à mon avis. Et eux ils volent en plus donc ils s'en battent les couilles. Donc attends. Si tu bouges la carte. Genre elle est là. Tu te l'appropries ou en tout cas je peux plus l'utiliser. Dans les deux cas c'est chiant. Très bien. Comment on est curieux. Ah! Que je pourrais encore le sacrifier. Bonne question ça. Très bien. Ah, faut que j'en pioche une. Dans le doute, je vais repiocher un écureuil. Ah, je peux plus. Bon, et lui, tout ce qu'il a chopé, c'est de la merde. On peut faire ça.
On peut faire ça, mais je suis pas sûr. Là, bon, j'ai pas envie de risquer ma vie là-dessus. Ouais, ça, ça c'est bon, ça. Hein. C'est bon. Brillant. Je sais. Et là, tu t'appropries rien du tout. Hop, voilà. Et bah non. Bah non. Un point, c'est dommage. Alors, tu vas prendre un écureuil. Et ça... t'as pas rien, toi. Ça sert à rien, cette carte. Ça sert à rien, ils ont vol de toute façon. Vas-y, tu vas la jouer, ça fera toujours un os. Jamais sous-estimer la fécondité des lapins. Ouais, bah je vis en Australie, mec, je sais. Les gens, les Européens ont emporté des lapins. Et puis, bah c'est devenu une nuisance. Parce qu'ils baissent comme des lapins. Et puis, ils bouffent tout. Bon, alors la puissance des lapins, par contre, le lapin est gratuit. Hein. Et le lapin gagne un dégât. Regarde, ça, c'est beau. Le lapin n'est pas dégueulasse. On fera donc un bon civet. Me nique pas mes cartes, hein, enfoiré. Va pêcher ! Ah. Ah ouais. Je sens qu'il faut pas que je tape dedans en fait. Je sens que ça, ça va être goldé. On en est curé. Oh tiens, je vais mettre. Je sens que ça va être goldé, je sais pas pourquoi. Bah déjà parce que voilà, en fait. Eh ben mon gars, ah ça joue mieux c'est sûr hein. Et pas encore l'heure de mourir. Allez rentre chez toi. Ah on est peut-être chez toi d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'une de ces cartes pourra te satisfaire. Eh ben je ne sais pas mon gars. Inutile de s'attarder sur une créature aussi barbare. Ah Oula Yuli, je ne sais pas si c'est un vrai conte de quelque chose ou si c'est du jeu ça. Enfant numéro 13. J'aime pas ça. Une pauvre enfant abandonnée. Elle ne meurt pas quand elle est sacrifiée. Mais es-tu cruelle au point d'essayer? Oui. Oui, définitivement. Pourquoi? Oui, un champignon. Je sais pas. Une carte de cet emblème reste sur le plateau après son sacrifice. Et donc, c'est quoi le délire? Au bout d'un moment, elle a sacrifié, elle donne quelque chose ou pas? Parce que si oui, elle donne juste un os à chaque fois. Elle donne du sang à chaque fois. Ouais, viens. Viens, en fait. Bon! Tu songes à manger l'une des prises du pêcheur, mais l'odeur putride qui s'en dégage t'en dissuade. Oui, oui. Le repas devra attendre. Ah bah, de toute façon, je crois que tant qu'on n'est pas parti à des milliers de kilomètres, on bouffe que dalle. On va avoir besoin d'une autre carte. Alors, ouh, c'est beau. Rafale de vent glacial te brûle les poumons. La beauté des flocons de neige ne suffit pas à apaiser les frissons qui parcourent ton corps. Tu as gravi le sommet des neiges éternelles. Ah bon. Alors, tu m'as dit de ne pas s'approcher de la bouteille. Ne pas ouvrir. Très bien. Terre ! La douleur est insupportable. Même après toutes ces années, qu'est-ce que tu veux ? Plus grand chose me pousse à vivre ces derniers temps. Qu'est-ce que... Tu as l'œil du maître ? Ah ! Est-ce que ça veut dire que le maître peut me voir? Magnificus, vous me voyez? Pouvez-vous me libérer? Ah, ça y est, le maître est libre! Oh, on ne doit plus être très loin de la fin. Si Magnificus est libre, ça veut dire que c'est bientôt fini. Ah, pour le pêcheur perdre, ça a calmé ma douleur. Ce pêcheur, c'est un vieux rival. Cette fois, il m'a eu, et j'aurai une autre occasion de le battre. Oh, je vois que tu te prépares un petit quelque chose. T'inquiète pas, je ne vais pas réveiller le poteau rose. Je prépare rien du tout, mec, je suis un gland. Il faut juste que tu mettes la main sur son appareil photo. Peut-être que si tu le battais, tu pourrais le prendre. Oh, je vois que tu as un petit quelque chose avec toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est une occasion de l'utiliser. La pellicule, évidemment. J'ai vu ses adversaires toucher son appareil photo légendaire. Mais seulement après l'avoir vaincu. Allez, une fois de plus, ça devrait le faire. J'ai aucune idée de ce que tu caches. Ah, je souffre! D'accord, donc il me dit rien à part t'en es là, t'as fait ça, pète-lui la gueule. Eh ben merci de ton utilité, effectivement.
J'ai bien fait de prendre ça. Oh, je sais déjà plus ce que c'est. Non, sérieusement, je sais plus ce que c'est. C'est un sacrifice pour donner un pouvoir? Si oui, il faut que je le fasse, j'ai trop de cartes. Ah, c'est la sculptrice. C'est les... Non? Non. Pouvoir de lapin, c'est un échange. Non, mais je veux pas. Non, non. Ta gueule. J'ai pas le choix. Formidable. Alors, le petit du Wapiti qui se transforme en Wapiti, j'imagine. Pardon, interruption téléphonique. On va prendre le Wapiti pour essayer. Pardon. Interruption téléphonique, boire, tout ça. Le possum gelé. Ah bah oui. Ces pauvres possums. Ajoutez un opossum gelé à votre main. La carte opossum gelée. Oui, c'est... Oui, d'accord. À la statistique suivante. 0 de puissance, 5 de santé, dégel. Bon, bah je vais pourrir mon run, mais il faut que je sache ce que c'est. Là, il y a le trappeur. C'est pas de conneries, hein. J'arrive pas à mémoriser les symboles. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une taupe qui tanque et qui se déplace. C'est ça. Et un oiseau qui est balèze, enfoiré. Tour 1, tu me sors ça? Eh ben. Eh ben, ben. Ah, tout ce que j'ai, c'est un Garen, quoi. Pouf. C'est compliqué, ton histoire. Alors, je fais ça. Sacrifié donne 300. Si j'ai bien compris le délire. Ah ouais, mais on peut en jouer. Si on claque ça, on va perdre un sang. C'est ça. Le loup, il est bien, lui. Hein. Il est bien, il est bien. Je ne peux plus voir les stats de l'adversaire, c'est dommage. Le sac, il serait bien aussi. Toi, faudrait l'essayer. Il y a trop de trucs, là. Je crois en toi. Ouais, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Toi, c'est quand tu prends un coup? Non, c'est quand on la joue. Très bien. Donc la pied, en fait, tu dégages. On joue le Garen. On chope un lapin. On pose le lapin. Donc là, on a deux trucs à sacrifier. Voilà. Et on fait ça. Et toi, tu vas taper à 3, donc on va survivre. Et j'irai pas jusqu'à dire qu'on est bien, mais au moins on survit. Toi, tu vas me les briser. Et toi, tu vas évoluer. Un œuf de corbeau. Tu vas donc évoluer en corbeau. Deux PV, pour l'instant, tu tapes à 0. Vas-y, toi. J'ai tiré ma carte, hein. Oui, bah oui. Oui, bah oui. Toi, tu meurs. Sa vie survit. Pas trop le choix que de jouer un écureuil. Petit du Wapiti, bah formidable, comme ça, on va savoir ce qu'il fait. Et toi, tu meurs. Le corbeau qui n'est pas dégueulasse. Oh. C'est une carte à deux, je suis la baise. C'est une carte à deux, je suis de la baise. Moi, je la sacrifie, elle. J'ai pas envie. J'ai pas envie, mais 16, il va être tanké par elle. Oh. Voilà, elle va pas encaisser les deux, elle, si. Si oui, ça craint. Le possum gelé, je claque. Un peu dommage. 1, 2, 3. Il m'arrache une dent, est-ce que ça suffit? Ça va le dire. Aïe! Ah, si, il encaisse les deux, l'enfoiré de sa race. Je perds. Ah, oh, je perds pas! Je perds pas, mais là, je peux rien faire. Je peux rien faire, mais toi, tu meurs. Toi, tu prends un coup. Il va se déplacer.
tombe mal. Toi, tu vas m'esquiver. Ah oui, bah oui, tu vas m'esquiver. Je suis con. Comment on fait ça? Là, on peut sacrifier. On peut sacrifier des choses là. Pas besoin. Donc toi, tu décèdes. Et on rééquilibre la donne. Voilà. J'ai claqué l'opossum pour rien, mais c'est pas grave. Écoute, toi, tu viens. Oh, tu vas prendre tellement de tarifs au prochain tour, mon gars. Non, non, c'est hors de question. Bah, t'es mort. Hein. Ah, l'enfant 13. Vas-y. Et je peux pas te sacrifier de toute façon. Ouf, je tape méchamment dans les ressources. Hein. Je sais pas si c'est conseillé. Je sais pas ce qu'il y a là. Je sais pas ce que c'est que ça. Si ça, c'est le trappeur, ça veut dire une autre fourrure. Je te remercie, mais j'en ai assez. Ça, c'est une carte mystère. Ça, c'est un buff sur les cartes ou c'est un sacrifice. Ah, je sais plus. Encore une pie. Pourquoi il y a un putain de champignon? Ah, il cheat hein, quand même, l'enfoiré. Il faut 8 os et lui, il le joue tour 1. Donc, le petit Wapiti, il évolue en ça, j'imagine. Il est pas mal. Il est pas mal. Combien j'ai de cartes à 100? Combien j'ai de cartes à os? Parce que le piaf, il me plaît bien. Je pense qu'on va prendre le piaf. C'est lourd, 8, hein. C'est très lourd. On va voir si on peut sacrifier un truc, si c'est ça. Ouais. Donc toi, tu vas recevoir. Toi, tu vas dégager. Bah toi, ouais, hein. Tu commences à puer un peu du cul, quoi. Toi, toi, on veut juste tes bonus, en fait. On veut pas que tu coûtes 2. Toi, c'est un peu pareil. Si on pouvait avoir un sac à dos à tous les combats, ça serait oufissime. J'avais déjà voulu faire ça et j'étais mort. Hein. Ça, ça permet de piocher ce qu'on veut. C'est quand même très la coulitude. Très bien. On peut pas tout sacrifier, c'est dommage. Toi, trop. Il faut un truc qui coûte que dalle. Toi, tu coûtes des os. Ça peut être bien. Toi, mais tu sors jamais, gros. Toi, parce que tu sers à rien pour l'instant. Lol. Je sais pas ce qu'il faut faire avec elle. Bon, bah... vas-y. C'est déjà assez pété comme ça, mais c'est pas grave. Un aperçu de ma gloire passée. On fait vraiment penser à Snake. War has changed. Alors... la taupe qui fait chier, l'ourobou qui fait chier. 2 de sang. C'est beaucoup. Et on n'a rien d'autre ici. Et tout ça demande 2 de sang. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Tu aurais qu'on peut sacrifier pour toi. Vas-y. C'est pas pire de toute façon. Hein. Ouf, oula, oula, oula. C'est beaucoup ça, monsieur. Je crois que je vais juste décéder là. Si je vais décéder, autant que je joue le sac. Hein. Honnêtement. Mais si je joue Sevo. On se prend 1. Toi, t'encaisses. On prend 3. À moins qu'on te tue, t'as 3 PV. On peut te tuer. On prend 1. Est-ce qu'on survit avec 1? Je crois pas. Je crois qu'on survit pas avec 1. On va jouer le sac. Oh! Ouh, à chaque fois qu'on le sacrifie, il évolue. Oh, c'est un Pokémon mystique. Très bien. Aïe. Donc, le rat, il donne un objet. Je croyais qu'il donnait full. C'est moins bien, déjà. Ah, il redevient... d'accord. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Toi, tu décèdes. Donc lui, il va évoluer encore max, il va pas me plaire. Toi, tu vas esquiver l'écureuil. Donc vas-y.
Salope. J'ai oublié celle-là. Bon. Eh ben tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai pas super bien joué, j'aurais dû abandonner ou j'aurais pas dû claquer autant de ressources, mais de toute façon, on pouvait pas y faire grand-chose, là, je crois. Je pense que mon deck, même s'il est pas mauvais, il est pas assez bon. Ouais, vas-y. Ah ouais. Eh ben, ça coûte un peu cher, ça, monsieur. Vas-y, je suis pas sûr de ce à quoi il sert, mais vas-y, ça c'est beaucoup trop bien. Je sais plus ce que c'est. Le combat, on va éviter. Ça, en plus, après, il y a une carte, on a déjà beaucoup de cartes. Ah, bah ça tombe bien, c'est un combat. D'accord, donc le truc avec des cornes, c'est un combat, sauf qu'il a un totem. Ok, super, donc c'est encore pire. Et si on attaque, on prend du dégât. Et ça va se transformer en Wapiti. Eh ben, c'est bien le bordel! Donc toi... On va pas perdre de temps. On n'a pas le temps de niaiser. Voilà. Oh mais mec, tu bourres ! Bon... Ah, oh, ils se déplacent, les enfoirés. J'allais dire, les deux, vous êtes morts, mais non. Mais non. Le serpent à sornette, ouais, ciseaux, je les ai pas encore, mec. Hein. Deux de sang, je les ai pas encore non plus. Faudrait que je sacrifie l'élan, c'est quand même dommage. Ouais, possum. Pas reclaquer toutes mes ressources, si. Non. Ah ouais, en mode, d'accord, direct. Ah bah ça aura pas mis longtemps. Bon, vous le sentez le décès? Il est là. On a combien d'os? 3. Cinq. Tu te mets là. 3, donc toi tu ne meurs pas. Il ne meurt pas. Merde! Tout mon plan reposait sur le fait de sacrifier l'opossum, mais il a pas de sang, il est gelé l'enfoiré! Ah bah oh, ça pue. Voilà. Et ouais, ça pue. Ouais. Eh ben, on est de la baise. On est de la baise. Quoique, on va avoir 500, si on te tue toi, on aura 600. Enfin, ciseaux. Pour jouer ça, c'est de la merde. Pas ouf ça en fait, hein. Ça prend la sonnette. Allez, banco! Ouais, mais il a toujours pas de sang, lui. Et oui, y a rien à sacrifier. Bon, je suis de la baise. Ah, c'est le décès. Eh ben, on sera allé plus loin, mais y a pas moyen de te niquer. Mais on décède. Tant pis! Eh ben, écoutez, c'était un run sympathique. Quel dommage. Voyons la carte de mort qu'on peut se faire. Ah oui, parce que quand on meurt, ce n'est que le commencement. Alors, le coup, on veut un truc qui coûte rien, mais on n'a pas le choix. Donc, ça va être une carte pourrie. Très bien. Il faudra 6 au minimum pour la jouer. La puissance et la santé, bah, ouais, ça va être une carte pourrie, c'est bien ce que je dis. Et les emblèmes. Bien. Ah, ouais, le Géat Capart, en fait, hein.
Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde-moi. Oui? Un cadeau du pêcheur. Vois-tu? Il a été vaincu il y a peu, et il veut se racheter. Ce serait vraiment dommage que le chercheur d'or ait raison de toi avant ça. Cet hameçon est très puissant, tu peux l'utiliser pour voler une de mes cartes. C'est pourquoi tu n'en trouveras pas d'autres lors de ton périple, mais en bon usage. Cet infâme lourd à bougri? Tu veux vraiment une telle créature dans ton deck? Rien que de le voir, on est de mauvaise humeur. Mais bon, je te l'ai déjà donné, alors on fera avec. Ouais, ouais, je veux une créature comme ça dans mon deck, quoi. Tu m'étonnes. Par contre, je vois rien, là. Je vois pas les symboles. Il a changé de tête, lui aussi. Oh. Eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Et puis, on sera parti pour un nouveau run bientôt, si ça vous intéresse toujours. Allez, ciao.